Voilà, on est de retour, hein. Désolé, hein, s'il y a eu une coupure depuis pas mal de temps, donc on devait chercher le mec à lunettes. Il était sur la place de dos, c'est le seul qui est de dos. Et là, il m'agresse parce qu'il veut pas me donner les clés. Ah bah voilà, Fermite. Bien sûr qu'il est dans le jeu, Fermite. Bah ouais. Scandaleux. Il donne même pas les clés. Ma vitesse augmente. Ah, parce qu'on me motive. Pas besoin d'être motivé à tuer un Fermite. Les croix, c'est super efficace. Les croix de Fermite, c'est un monsieur hein, quand même. Hein. C'est une attaque. Hein. Elle se fait respecter. Hein. Allez, bye bye. Ok, on est bien. Les niveaux augmentent. Allez, file-moi les clés maintenant. Fais pas le con. Hop, on va faire paramètres. On va retirer les animations de combat. On les remettra plus tard, de toute façon je vais utiliser quasiment qu'un Pokémon. Attends mais par où? Trou du Cuman, trou du Cuman, trou du Cuman. Mais c'est pas possible. C'est barré où? Mais où est-ce qu'il s'est barré? Chéri, il se barre où après? Non mais il reste sur la place ou pas? Ah bon, bah, c'est bon alors, non, laissons, je vais chercher. Tout est sur la place, hein, ouais, d'accord. Tout va bien, tout va bien. Tant qu'il reste sous la place, tout va bien. Juste que j'ai peur qu'il se barre, je sais pas où. Tiens, voilà, là il est de dos, c'est louche lui. Non, c'est pas lui. Où est-ce qu'il est? Là, je suis barré là! Est-ce que le Pokédex de Galar est sorti ou pas encore? Je crois que ouais. Hein. Tu peux acheter la Solus. Il est dans le cul du cheval ou quoi? Où est-ce qu'il est barré? Il est pas là-dedans. Ça, c'est un vieux qui passe. Lui, j'ai déjà parlé. Mais où est-ce qu'il est barré? Lui, là. Il est louche. Ah oui, il est là. Impeccable, je l'ai vu. Nickel. Ça, c'est de l'énigme, hein. C'est l'énigme où je sais pas, où je m'appelle pas Monsieur Bogard. Miss Dibule, hein. Miss Dibule, à part Vampipoint, j'ai rien pour taper. Petite mâchouille. Ohé, ohé, allez Ken, allez Ken. Oh là là, Rosemary, elle m'encourage. Oh là là, c'est trop fort. Ouais, ils ont tous les lunettes noires. On va les avoir, on va les avoir. Je sais que c'est le suspense est insoutenable. Je suis... Une taupe, hein? Fla! Est-ce que je te kiffe, Minotaupe? Ok, donc ça c'est fait. Il se bat encore. Très bien. Non, vraiment, par contre, tu commences sérieusement à m'énerver. Pas les lunettes noires, lui. Les lunettes noires, non. Lunettes noires, non. Lunettes noires, non. Pas de lunettes noires ici. Personne là. Où est-ce qu'il est, ce fils de lâche? Il est barré par là. Voilà, il est dans la cabine. J'étais sûr qu'il allait être dans la cabine à un moment. Parfait. Allez, mon gars.
T'as problème X, il est aussi loin déjà. Quel talent. Ouais, on va taper super efficace sur grain dur. On va se faire mal au point par contre. D'ailleurs, ça marche dans quel sens? Est-ce que je vais Non, je fais épine. Non, c'est vraiment, je regagne ma vie normalement et ensuite je prends les épines. Stylix, la base. Les encouragements! L'attaque et l'attaque SP ont augmenté. Hop là! Paf! Petit vampipoint. J'ai pas battu la ligue, non. Je suis devenu champion du tournoi. Pareil qu'il y a plein de tournois après à la fin du jeu. Tu peux faire des tas de tournois. Allez, crash la clé. Ça suffit! Non mais... Allez me le chercher. Ça suffit maintenant. Le mec qui esquive la clé à l'infini, là. C'est quoi l'idée? Il faut trouver le bon, là? L'attaque des clones? Ok, ça, c'est le bureau de... C'est le bureau de chez Rose? Oula! T'as fait un super boulot, Ken. Tellement super que ça m'inspire une chanson. Oh là là, il sort ça de son cul hein, quand même. Hein. C'est fort. Et malgré tout, je chante, je chante. Peterson! Peterson! Nani? C'est Peterson? Il fait une performance de rue, mais pourquoi? Ah, pour le coup, ce serait plutôt une performance de gare. Voyons voir de plus près. Incroyable, Peterson, vite! Filmons-le. Ça me rappelle les centres commerciaux géants au Japon où t'as des spectacles d'idoles qui se passent au centre du centre commercial et tout autour. T'as des tas de galeries, un peu façon Galerie Lafayette à plusieurs étages. Tu peux regarder en fait debout le spectacle. Bon là, c'est du heavy metal, mais. C'est pas de la J-pop. Eh oui. Knuckle Duke contre Bonchan, extraordinaire. On y croit à mort, hein. C'est bon. On est passé. Donc voici la fameuse tour de chez Rose. Donc je dois me traverser tout ça quand même. Hein. Ça a pas l'air gratos. Hein. Ça a l'air d'être à peu près aussi grand que le. Par contre, on est trois amis là. Un peu Naruto, Sasuke, Sakura. Moi aussi, je me demande ce qu'il fabrique avec le maître. Vous savez quoi? Toute cette adrénaline, ça m'a rappelé les smashing de quand j'étais gamin. Les smashing puppings. Il y avait des concerts live complètement déjantés. Ouais. Et ouais, mon gars. Mais c'est bon, t'es plus jeune, donc c'est terminé maintenant, tu sais. Terminé le Hellfest. T'es trop vieux pour ça, maintenant. Allez! Pokémon, let's go. Donc évidemment, ne jamais aller à l'endroit indiqué. Est-ce que je peux marcher dans les flas? Oui. Parce qu'ici, il y a une Pokéball. Graine électrique. Qu'est-ce que c'est toutes ces graines? On trouvera un. Pour vous, public, on trouvera. Et ici, bien entendu, il y a autre truc. Une pile! Ok. C'est nouveau ça. Allez. Je regarde quelle compète les finales régionales américaines. Il y a le top 8 du super premium. Bonchan affronte Knuckle Duke actuellement. En loser demi-finale. Allez, c'est parti. Allons trouver notre frangin. Ok, donc là c'est la tour. C'est la tour radio, hein. C'est la tour magnifique. Pareil qu'il y a 100 étages ici, pas moins que je me le tape appeler. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Vous ne verrez même pas le premier étage. Est-ce que tu as remis
des PP à mes Pokémon. Salut. La réponse est non. Petite mâchouille. Complètement oublié de remettre des PP. Hein. Ça va huiler dans pas longtemps. Ah, j'ai un peu spammé marteau point. Hein. Allez, casse-toi s'il te plaît. Merci. Alola ? Putain, pourquoi j'ai pas lu le dialogue ? C'est le PDG, donc forcément, il est dernier étage. Prenez l'ascenseur. Mais oui, le lore, putain, le lore de Pokémon. Je vous rappelle que tous les jeux vidéo ont un lore commun. Okay. En tout cas, tu fais mal ton taf puisque tu me laisses passer. Petite huile. Il leur dit qu'il aurait mieux fait d'aller en vacances à Alola, ok. Gros lore. Gros lore. C'est parti, ça monte. Ok, c'est genre Street of Rage, y a pas un milliard de trucs. Ou c'est ça s'arrête à un étage random et je me fais attaquer. Si c'est ça, c'est cool. Ok, c'est cool. Ah, c'est cool. Y a pas un donjon ultra alambiqué dans tous les sens. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Comme FF7, parfait. Impeccable. Ah putain, c'est la première fois que je vois l'éléphant pourri là. Archéodong, 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 Psy. Roche Psy, Archéodong. Bon, dans le doute, je fous un coup de marteau dedans. Acier. Bon, dommage, raté. Raté, pff, putain, mes mouflons là, il a même pas touché. Un avis, c'est un moumouflon. Vampipoint sur Charibari. Charibari. Bam! Je sais pas pourquoi ça tapait super efficace. Il est peut-être. Fait. Mais je prends. Oh, c'est des spécialistes du type acier. Donc ils sont peut-être tous acier. Hein. Ils sont tous acier. Très bien. Je crois que j'avais compris que. C'est un gros spécialiste du type acier, visiblement, chez Rose. Un peu le champion du type acier, quoi. Allez, cassez-vous! Ouais, c'est ça. Ok, on se revoit à l'UM, hein. Tweak. Merci! Putain, j'ai utilisé l'huile pour rien. Il me redonne full life, full tout. Après le premier truc. Putain! Je suis en colère. Pauvre petit bébé. Il a dormi toute la journée en même temps. Faut qu'il soit réveillé, sinon il va nous casser les pieds cette nuit. Intimidation de Miss Dibule. Très bien. Moi je dois bien vous avouer que j'ai pas une grosse confiance en mouflon. Hein. Je l'aime bien, mais j'ai pas une grosse confiance. Liste est à la moitié de la tour, 150 mètres. Tout va bien. Plaquage. Bien de la merde. Ma chouille, c'était tout pourri. On se regarde dans le blanc à des yeux. Bam. Allez, casse-toi. Oh putain, je le tuerai jamais. Mais fais autre chose que plaquage, t'as bien vu que c'était pas très efficace. Tête de fer. Oh putain. Fais quelque chose, moumouflon, fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il est doué, bonne chaîne, putain. Oh là là, ce dragon dans le bon sens, quel talent. Allez, venez m'affronter, moi, y a pas de problème. Hein. Je vous attends, les gars. Allez, c'est parti!
Et la mort. Nabil qui me raconte sa vie pendant qu'on monte les étages de l'ascenseur. Ça, c'est quand même l'ascenseur le plus haut. Il y a un nombre d'étages avec un nombre de sorties d'ascenseur ultra violente. Je crois que ça doit être le truc le moins pratique pour transférer des êtres humains à l'intérieur d'un bâtiment. T'imagines, il n'y a qu'un seul ascenseur. Donc t'as n'importe qui veut prendre l'ascenseur au premier, doit monter 150 étages, doit attendre que ça redescende. Il est tout seul au milieu d'un ascenseur qui peut comporter 18 millions de personnes, littéralement. C'est vraiment pire ergonomie ever. Si c'est lui qui est chargé des infrastructures de Galar, je me ferais vraiment du souci hein, pour l'avenir de l'Angleterre. Pour la reine et la patrie, James. Oh là là, mais il continue de faire plaquage avec mon mouflon. Ah putain, mais mon mouflon, mais mon mouflon. Je sais pas quoi dire, moi, au bout d'un moment. Je sais plus quoi dire, putain. Je sais plus quoi dire, mon mouflon. Hop là, petit level up de tout est écrit. Allez, file ton pognon, toi, et tais-toi. Boss rush. En fait, ça ressemble à la reine acier, hein. Ah, Nabil, il prend la pause. Punaise, c'est vraiment haut, hein. Waouh. Voilà, elle est louche, elle. Ça ressemble pas à un bureau, ça. Je peux bouger, non? Il y a un étage réservé exclusivement au président Chéros, 300 mètres d'altitude. Je vois que vous avez su vous défaire de mes subalternes, c'est impressionnant. Je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous a porté tant d'intérêt. Mais assez joué, il est temps de rentrer chez vous maintenant. Oh non, tu peux pas être méchante, jolie jambe. C'est chaud. Car voyez-vous. Psycho, 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 psycho. Psycho. Elle fait peur. Elle fait peur de ouf. Je vais aspirer votre vie! Elle fait peur de ouf malade. Hein. Hadji Meluso! Si je te mets hors d'état de nuire, le maître arrêtera de ne penser qu'à ce combat. Et écoutera enfin les sages paroles du président. Je me deviens folle! Livre de Marco Cosmos veut se battre. Macrocosmos? Macrocosmos, c'est la boîte. Ah, bah voilà un petit Martek! Je me demandais s'il y avait Martek, justement. Hystérique. Hystérique. Ah ouais, ça, on peut dynamaxer ici! Bon, désolé, Momart sec, hein, je vous pipe. Hein. Ah, visiblement, ça n'est pas passé. Oui, car il est spectre et je suis un connard. Petit reflet. Bon, c'est fait, je l'ai eu. Le nombre de misclics improbables d'erreurs de type. Malaman, 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 malaman. T'es gentil, mais tu tapes souvent dans le type contraire. Hein. Petit poison-feu. Hein. Bam! Je perds un peu de maïve. Par contre, je la repère immédiatement. Tiens. Tu connais c'est quoi si j'avais un marteau? Putain, aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Aïe aïe!
Aïe, aïe, aïe. Mais rapide. Putain, mon gorithmique, il est mort en deux frames. Saldo. Sale bête. Crève. Milobélus. Canon hydro. Je m'en fous. Hein. Et il me manque un truc pour me regagner de la vie. Je sais que Milobélus. Milobélus, il a de la défense P. Hein. Ça, remets-toi de la vie et repère-en. Ok. Moins 2. Tout va bien. Car il y a Fulgudog. Avec le gros poireau. Fulgudog, gros poireau, tout va bien se passer. Bam. Non, pas d'animation, j'ai retiré les animes. J'ai retiré toutes les animes. Ok. Sucre reine. Ouais, un petit croc feu. Botte sucrète, la fameuse. Ok, tu joues que des Pokémon stylés qui te ressemblent en fait. Ce qui est un peu mon cas aussi. Pire, algorithmique, c'est totalement moi. Allez, dégage. J'aurais jamais terminé le jeu si je mets les animes. Mon dernier Pokémon, ne crois pas que je vais te laisser gagner si facilement. Très bien. C'est quoi ton dernier Pokémon? Oh putain. Ah ouais, d'accord, tu joues vraiment que des Pokémon qui te ressemblent, quoi. C'est 100% ça. Très bien. Eh bien, tu seras ravi d'apprendre que je vais Fulguromax. Le gros poireau, c'est... Non, non, le gros poireau, c'est bien pour Fulgudog. Fulgudog avec gros poireau, eh bien, a plus de succès. Un gros toutou. Je parie qu'il va gigamaxer car évidemment quel autre Pokémon que Miasmias Miasmiaxm allons-nous créer en gigamax. Voilà. Le Pokémon Katamari Damacy. Poubelleman. Il a plutôt bien vécu hein, l'attaque. Hein. Ce qui, à mon avis, risque pas d'être mon cas. Oh, j'ai survécu. Oh, je vais. Ah merde, putain, il a retiré mon. Aïe! Il est encore en état de foudre. Hein. Fulguro max, hein, je balance la max. Vas-y, balance. Merci, mais ça le tue pas, ça, comme merde! Aïe. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Car Zoro est arrivé. Mesdames et messieurs, vous le pensiez totalement inutile. Eh bien, vous aviez tort. Car comme vous venez de le voir, le Pokémon rien vient de remporter la guerre. GG rien. GG rien. Bravo, non vraiment là. Petite Malombre. On dit pas non hein. On dit pas non. On dit non. On dit non à Malombre. On dit non à Malombre parce qu'on est plutôt dans le physique ici. Hein. Mais que le duc qui doute. On dit non à Malombre. Tout était écrit, le script là. C'est-à-dire que j'ai bourré comme un vieux goret.
Et pourtant, j'ai perdu quand même 6 de mes Pokémon. Hein. C'est pas la gratuité, hein, quand même. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as hypnotisé, Tarak? Il se passe quoi? Chez Rosie. Oh la putain. C'est une image, ça? Un dessin? Nous en avons déjà discuté maintes fois. Pourquoi refuses-tu de comprendre? J'en attendais plus de Maître Galar. Ah, mais j'ai très bien compris le problème, Monsieur le Président. Mr. President. Ce qui m'empêche, c'est pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans 1000 ans. Pourquoi annuler le tournoi? Cela ne peut pas attendre un jour de plus. Mon devoir, en tant que Maître de Galar, est de m'assurer que le tournoi se déroule bien. Je le fais pour le public de Galar, et un peu pour moi aussi. Décidément, Tarak, tu comprends vraiment rien. Ouvre les yeux, enfin. Regarde, cette ville gigantesque n'est pas du tout aussi grande lorsque tu t'y balades. Dans 1000 ans, tous ces merveilleux paysages seront ruinés par la crise énergétique. Il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus d'eau. Le vent aura été soufflé, la mer aura été coulée, le feu aura arrêté de brûler. Dans 1000 ans, le public de Galar auquel tu tiens tant ne sera plus. Déjà, parce que l'espérance de vie à Galar est de 46 ans. Mais aussi parce que... Eh bien, ta gueule. C'est pour cela qu'il y a une minute à perdre. Ni même une seule journée, ni même rien. Il faut tout donner. Si nous voulons sauver le Galar de son tragique destin, nous devons agir maintenant. C'est maintenant, le changement, c'est maintenant. Si nous continuons à nous chauffer au charbon, si nous continuons à rouler à l'essence, si nous continuons de manger de la viande, eh bien tout ça, ce sera vain. Dans 1000 ans, vous serez mort. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Ok. L'avenir, c'est le nucléaire. Je crois que je vois ce qui t'inquiète. Je voudrais, mais seulement après le match de demain, je te dirai des choses. Tu comprendras. Un message fort. T'es jamais venu au restaurant, dis donc. Du coup, on est venu te chercher. Au passage, on a défaussé tous les employés de bureau de cette société. Et en plus, je dénonce, hein, Rosemary et Peterson, ils nous ont aidés. Je suis absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte, mon cher Nabil. Nous avions un petit différend à régler entre adultes, vois-tu. Oula, 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 oula. Vous en faites pas, vous deux. Retournez à l'hôtel. Faites ce que vous voulez. Moi et Cyril, on va se faire un bon steak alors. Salut. Oh putain. Je suis tellement charismatique. Monsieur le Président, j'espère que vous assisterez au match de demain. Ce sera un combat historique, c'est sûr et certain. Il a raison, Babouchman. Historique? On verra. Il se passera quelque chose d'historique, oui. Cela, je peux te le promettre. Oh putain. Putain, il va tout péter. Il va tout péter, bordel, il va tout péter. Ah, bienvenue à l'hôtel! Je suis l'assistante la plus motivée de l'histoire, la réceptionniste la plus joyeuse! Un peu pensé aux musiques d'Illumis. J'avais pas vu qu'il y avait un Roserad sur le sol. Allez, baston! Il a raison, chez Rose. Le changement, c'est maintenant. Hein. Souhaitez-vous que je vous accompagne au stade? Oui. S'il te plaît. Non, l'écriture est pas si horrible que ça. La nana m'a stoppé pour rien. Oui, ça c'est vrai, elle m'a stoppé pour rien, mais bon, ça va. Est-ce qu'il faut forcément une raison pour stopper les gens et déclencher un combat Pokémon? Je vous rappelle cette phrase extraordinaire de Rachid, le gamin, route 1, qui dit... pourquoi tu passes par ici? Hop, et qui t'envoie ton ratata. Bon, sincèrement, on n'est pas à ça près dans Pokémon. Merci. Je vous rappelle, tout de même, remettons les choses dans leur contexte. S'il vous plaît.
Bonjour! Salut, c'est moi, je suis le champion et j'aimerais défoncer. Là, le mec il se la raconte un peu trop là avec les réseaux sociaux. Oh là là, trop trop cool! Il y a tous les dresseurs, ils sont là! Et moi je suis en tenue, je suis là! Oh là là, t'es trop stylé toi! Ou toi? Toi? Salut, je suis vraiment fan de toi, Lona. Vraiment, je veux ta figurine. J'espère qu'il y aura ta figurine. C'était quoi ton Pokémon main déjà? C'était pas l'évolution de Corailon? Ah, c'est Loclas, son. Et putain, mais je la veux chevauchant son Loclas là. C'est parfait, allez, on y va! Après, oh. Ouais, Olga, c'est vrai. Ouais, Olga, elle a un côté secrétaire cochonne, mais là. C'est vrai qu'il y a un côté secrétaire cochonne, Olga. C'est vrai que maintenant que tu me le dis. Ils ont pas la figurine, Nin Nin. Bonjour à tous, c'est moi Tarak, c'est moi le maître, le président de la ligue. Il a eu un empêchement, il ne sera pas là aujourd'hui. Les combats Pokémon vont atteindre leur paroxysme. On est quoi? On est 8, 10, 12. Je déclare le tournoi des champions ouvert. Putain, c'est trop cool le format tournoi. Donc ça, c'est quoi? C'est la ligue Pokémon, ça hein? C'est pas ça? Est-ce qu'on va terminer le jeu après ça, bordel? Chotomate kudasai. Hein? Daleda. Daledeska. Konagaki. Tu l'as vissu. Tu l'as vissu. Mesdames, messieurs, si je peux réclamer votre attention un instant. Vous souvenez-vous de moi? Pas du tout. T'es qui? Au fait, PTDR, t'es qui? Hashtag PTDR, t'es qui? À la Ligue Pokémon. Les réseaux sociaux s'enflamment. Un gamin vient d'apparaître. En plein milieu du stade. Généralement, quand un inconnu arrive au milieu du stade, sache qu'il est tout nu en Angleterre. Toi, tu portes des habits d'un goût discutable. Mais je vois que tu te protèges les épaules pour tes combats Pokémon, ce qui est très important. J'adore ton petit nœud, par contre, hein, derrière ton t-shirt. C'est particulièrement réussi. Hein. Tu mets toute ta carrière de dresseur en jeu. Très bien. Impeccable. Eh bien, vas-y, let's go! Moi j'y suis hein. Mais c'est plus fort que moi, je peux pas rester sur une telle humiliation. Tout allait à merveille dans ma vie. Mon père m'avait rejeté, mon père spirituel m'avait conspué. Je m'étais fait virer de la ligue. Ensuite une vieille a dit que je m'habillais bien. Franchement, pourquoi t'es venu tout gâcher tout ça quoi? Une vieille sortie nulle part. Bah c'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il dit. Voilà, je n'invente rien. Regarde à quoi j'en suis réduit, hein, m'apitoyer sur mon sort auprès de toi. C'est pas grave, c'est qu'on t'aime bien en fait, je sais que t'as un bon fond. Voilà, regarde, quand tu ouvres ton visage, le grand Tavis n'a pas dit son dernier mot, et voilà, tu ouvres ton visage, tu le fermes moins. T'es plutôt stylé, Travis. Par contre, t'as pas du tout une tête à t'appeler Travis, je t'aurais plutôt appelé Jean-François. Travis, le champion d'arène, veut se battre. Mais y'a pas des règles dans ce tournoi, c'est le premier qui arrive, premier servi, c'est ça? Très mauvais lancer Pokémon. Isdibule, bonjour. Hop là! Le Gigamax active. On s'en fout, c'est un Isdibule. Je vais endurer tant de choses pour arriver jusqu'ici. Niveau 51, j'ai 17 levels de plus. Théoriquement, on est bien. Je fais même pas le 2 HKO avec ça. Ah, coup critique, non? Ouais. Chat. Et stylé nous, Tsubasa, hein. C'est vrai qu'il est mal. Inazuma Pokémon. Ok, Travis le champion d'arène envoie... Gardevoir. Bon, Gardevoir, elle va prendre marteau bois. Hein. Tigre marteau bois. Ouf. Impeccable. Hammerwood. Galopa. Mais vous avez un Galopa. C'est vrai que toi t'es plutôt un mec du type psy en fait hein. J'ai pas grand chose pour te signer hein. On va faire marteau bois hein. Ça marche hein. Mais à un moment je vais devoir récupérer mes PV hein. J'ai mal.
Tu mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, compte gagné. Un, ouais. Punaise, mais il a encore un stade d'évolution, lui. Mais il évolue jusqu'où, là? Sort silence. Putain, après, chapeau pointux. Sort silence. C'est son dernier Pokémon. On va faire ce qu'on appelle un Dynamax. Dynamax. Il est passé expert en fée. Galopa est fée. Ils sont tous faits là. En fait, quand ils évoluent, ils sont tous faits. D'accord. Très bien. Tu vas goûter un peu de la féerie. Admire donc ça. C'est bien d'être passé expert dans le type fée. Waouh. Alors, il y a un truc. Il y a un truc avec ce Pokémon. Visiblement, elle a la poitrine au niveau du cul. C'est quand même particulier. J'ai mal. Et je vais tuer. Sauf que ça récupère toute sa life ici. C'est pas grave, petit one shot. Eh oui, hein, le terrain. Le terrain favorable. Terrain favorable et ça monte. Et voilà, c'est gagné. Un rival de plus d'affronter. Finalement, ce n'est que des combats, tout va bien. Il est content. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai peut-être perdu, mais au moins j'ai pu démontrer l'excellence des Pokémon de type fée. T'as montré qu'ils étaient tout pourris par rapport à un vieux starter plante de merde, mais je vois ce que tu veux dire. Le type fée, c'est le meilleur type. On l'aime. On l'aime tous. Je vais faire une type spectre, 100% spectre. Au rage, au désespoir, au défaite ennemie. C'est pas un plagiat, ça? Putain, mais d'où t'es passé de chieur de première à poète? En fait, c'est un vrai message. Si vous aussi, un jour, vous avez été impertinent à l'école, toujours en train de répondre aux profs et tout ça, sachez que vous pouvez changer. Et devenir docteur en littérature. Dans la vie, l'important, c'est de tout donner, de toujours croire en ses rêves. Merci. Allez, salut! Franchement, je t'attends, on se fait une bouffe. On avait notre groupe d'amis hein, quand même à Alola. Il y avait Dio, Gladio, il y avait... comment elle s'appelle la gourdasse? Lily. Et il y avait Tilly. Bon, Tilly, on faisait semblant d'être amis avec lui parce qu'on sentait qu'il était... voilà. On sentait qu'il avait besoin d'amis, tu vois. Vous voyez notre groupe de potes, hein? Bah là, on a Travis, on a Nabil, et on a Rosemary. Finalement, c'est à peu près le même genre d'archétype, hein, quelque part. Non, quoique Gladio, il reste badass tout le temps, il reste un peu émo tout le temps. Rosemary, elle est adorable tout le temps. Et Nabil, il est pas agaçant, tu vois, il essaye. Très bien, moi j'y retourne. Hein. Est-ce qu'il faut monter ces Pokémon quelque part? Non, c'est bon, allez go. Hein. Faut que je termine ce jeu. Allez, c'est parti pour le show. C'est parti, le Star Show. Go. C'est l'heure du premier round du tournoi des champions. Revenons maintenant dans la ligne de le premier tour. T'as un tournoi en 4 tours, hein. Alors, contre qui je vais tomber? Putain, je me refais la réno. J'espère que t'as d'autres Pokémon que... Je cherche le nom d'un Pokémon au pourri. Que d'Antichrist. Je crois en toi.
Love Disc. Ouais, j'avoue, elle est pas mal, Donna. Ouais, j'ai compris, je comprends votre délire, je comprends. Ça va, elle fait très top modèle, elle lève la jambe très haut, je sais, tout le monde aime. C'est vrai qu'il est haut, lui. C'est vrai qu'il est haut, mais oui. Et c'est casse-couille, d'ailleurs, parce qu'il est insecto. Et qu'il a des attaques méga chiantes. On marte au bois. Et c'est le one shot. Le stade est en feu. Elle est vraiment venue avec Poisson Roi. Non mais, c'est Ondine me faisait la phase. Vas-y, sans décoller meuf, Dynamax là. Donne tout. Allez, vas-y. Vas-y, franchement Dynamax. Je te spoil, là tu devrais vraiment. Ah, je pense que le minimum syndical c'est un petit Dynamax là. Ah là là. Ah non, Astakuda, c'est... Je suis désolé, mais c'est compliqué. Ah, vent arrière, ouais. Mais même. Voilà, bon là on a un vrai Pokémon, alors le problème c'est que je crois qu'il prend x4. Je crois, hein. S'il est au roche, il prend x4. Alors oui, c'est un vrai Pokémon et je crois qu'il a une forme Gigamax. C'est ça. Non, il est grave stylé, hein. C'est le Tortank de cette version. Et personnage... Je pense qu'il met 1000-0 à Tortank, hein, sans trop de soucis. Comment Tortank est moche. Insérez vos insultes sur le chat. Mais là, c'est pas possible. J'attaque avant ou pas? Oh putain, il me reste 2 PV malgré le coup critique. Pouah, Gorythmi. Gorythmique. Go, Gorythmique. Il est là, hein. Putain. J'avoue, il y a une évolution entre Badabouin et Égorythmique. Hein. Ouais, t'en fais pas. J'aimerais bien voir les dresseurs autrement que dans leurs habits de compétition. J'apprécie tout particulièrement les sandales avec une petite bouée. Par contre, sur ce plan-là et avec les effets d'ombre, on croit vraiment que t'as un zizi. Voilà. Donc maintenant, tu vas repartir, s'il te plaît. Car je me suis peut-être... Ah, il y a Antistar qui a passé le premier tour. Parfait. Au revoir. Est-ce que j'ai récupéré ma Eve? Oui. Eh bien, c'est parti. Gorythmique. Deuxième phase. Oh là là, il ou elle est trop stylé. Antistar.
souviens de moi, hein. Je me souviens de toi aussi. On a passé des moments. Il ? Ouais. Si vous voulez. Ça, par contre, c'est très très gothique hein, de porter un masque de mascasse. Et il joue mon type préféré, par contre, Funessien. Et excusez-moi, pardon. Waouh, quand tu ouvres les yeux, ça fait vraiment très très peur. Et Noctunoir sont des Pokémon spectres que je déteste. Littéralement. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon spectres que j'aime pas. Mais eux, ils en font vraiment partie, quoi. Bon, je suis obligé d'utiliser marteau bois à cause de son entrave de merde. Ce qu'il aurait one shot de toute façon. Il y a un certain comme ça avec certains Pokémon. Je pense que je vais monter une team spectre. Lugulabre, j'adore Lugulabre. Si, il y a l'évolution de Pitrouille, là, je l'aime pas non plus. Par contre, des Cylindres est trop sympa. Ok, tu m'emmerdes un peu, du coup, avec tes, tes principes à la con. J'aurais mieux fait de switch. Là, je vais prendre un vieux feu follet de merde. Okay. Je peux saboter, maintenant. On va switcher sous une étoile ou sous un oreiller. Smogog. Ça fait mal. Tiens à le préciser. J'ai Bobo. Putain, t'es plus rapide que mon Pokémon, sérieux. Il va me brûler toute ma team. C'est vrai, il faut que je mette pièce rune en jeu, j'avoue. Ah, un main. Poltergeist. Mon Poltergeist, on va faire avec la magique. Hein. Oh là là, la défense qu'il a, c'est abusé. Oh! Brûlure. La brûlure, on peut dire que c'est de la triche. C'est pas un guérison. On va voir comment je réussis après l'antibrûle. Allons. Je vis bien. Non. Je vis pas bien. Mais la vie est ainsi faite. Machination, ça cherche les embrouilles ici. Hein. Sabotage. Bam! J'ai pas envie de décimer toute ma team dans le tournoi. Quoi. Oh là là, putain, mais ce Corayome est tellement là. Bam! On sabote. Merci. Allez, Antistar. C'est triste, j'ai peur. Ectoplasma. Putain, moi j'ai un peu trop stylé. Ah là, la Gigamax Ectoplasma. Il évite plus. Marc, avant, il évitait, mais il restait au sol tout le temps. Je suis censé être un spectre, tous les spectres sont censés l'éviter, mais plein de spectres qui l'évitent pas, lui au moins il a les pieds qui touchent le sol. C'est dur.
Petit rappel. Et voilà. Regardez, regardez. Putain, mais où est-ce qu'on le trouve, lui? Où est-ce qu'on le trouve? Et comment on transfère le caractère? Il est mort. C'est le décès. Terre sauvage, mais uniquement en raid, non? Ouais, mais les Fantominus, ils sont pas gigamaxables. C'est une très bonne question, mon petit ange. Je ne crois pas. Et pareil, comment on fait un soft reset dans le jeu? Je suis obligé de supprimer le jeu et de le relancer, du coup. Sachant que j'ai jamais fait de sauvegarde de toute ma vie. C'est quand la dernière sauvegarde, là? 23 heures de jeu, putain, ouais, non, en fait... En fait, il fait une sauvegarde automatique quasiment tout le temps. C'est parti. Par contre, les ectoplasmas sauvages, c'est pas trop ça que je demandais, mais... Pièce rune. C'est la ligue? Oui, c'est la ligue. Chérie, c'est la ligue, non? Normalement, terminer la ligue, termine le marathon. C'est le but, on y est presque. Et là, c'est l'avant-dernier. Je pense avant-avant-dernier, parce qu'à mon avis, après lui, il doit y avoir Tarak qui est le champion en titre. Et après, généralement, c'est toujours le rival que t'affrontes. Maintenant, peut-être qu'il y a un plot twist. En tout cas, la ligue Pokémon comme ça, c'est trop stylé. T'as réussi à arriver jusqu'ici, bravo. Décidément, Tarak a eu du flair. Quand il a décidé de te recommander. Avant de te terrasser, il faut d'abord que je m'occupe de son petit protégé, c'est-à-dire toi. Tu auras battu une fois, mais pas deux. Allez, on se prend en selfie. Il est stylé, cette grande bringue, quand même. Hein. Lewis Hamilton. Roy, champion de l'arène, veut se battre. Allez, vas-y, balance. Charthor ? Charthor ? Attends, mais tu joues vraiment Strat ? Connard. Peut-être que tu mériterais d'avoir été empoisonné par ma bombe Burk. Bon, de toute façon, ça fait un Pokémon en moins. Après, je sens que je vais mal vivre la sécheresse, mais... Je comprends rien du tout de... Regardez, je comprends rien des... de la répartition en niveau des Pokémon. Tout est écrit... à 1022 d'XP, là où Fantirme il a 999, alors qu'ils sont du même niveau. Ah, c'est peut-être tout est écrit, il est niveau 46. Du coup, il a reçu peut-être un poil plus d'XP. Moins t'as de. Moins t'as de niveau, plus tu reçois d'XP au multi-XP. Par contre, à niveau équivalent, tu reçois plus de l'XP de Smogogo divisé par 2. Non, à niveau équivalent, tu reçois l'XP de Smogogo divisé par 2. Regarde, Fulgudog. Ça veut rien dire, ça veut dire que...
Mieux vaut gagner un max d'XP quand t'as le level très bas avec le multi-XP. Enfin, c'est trop bizarre. Starren et Bégon. Mouli Bégon. Ah, t'as réussi à m'endormir quand même. Génial. Quand est-ce que je me suis endormi? Oh non, pas ça. À quoi ça t'a servi de mettre la canicule, mec? Je suis endormi. Bah, il m'en a pas. Prends l'attaque. Chouille. Je dors toujours. Je me réveille pour faire éclat magique et le one shot pas. Le one shot pas. Le one shot pas et se guérit. Sa maman, j'ai toujours pas one-shoté la tranche basse deux fois de suite. Tranche basse, deux fois de suite. Je le one-shot pas. Bégon, Libégon, tu me pètes le fion. Libégon, Libégon. Pas crever. Très bien. Boumata, donc il n'y a plus personne qui est faible de toute façon. Au fait, chez les dragons, c'est bien connu. Petite bomber. Aïe. Aïe. On va le two shot. Peut-être qu'il va se sacrifier. J'utilise bomber. Très bien, Boumata. Ça a toujours été un plaisir. Sachez que je n'ai jamais attrapé Boumata Shiny. Trop chiant. Puisque le seul véritable moyen de le shiniser, c'était Method Masuda dans Soleil et Lune. Drayel non plus, d'ailleurs. C'est deux Pokémon qui me manquaient. Bien chiant. Bien, bien chiant. Ah, le Muplodocus de Chacha. Vous savez, quand on a un Muplodocus complètement pété, le mieux que l'on puisse faire, c'est de le ranger dans sa boîte PC et de prendre à la place, allez, un starter Pokémon level 1. Eh ouais, c'est génial. Franchement, Patrick, pourquoi on peut jouer Muplodocus alors qu'on peut jouer Bradibou? Je gigamax, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça se voit que j'en ai plus rien à foutre. Ouais, voilà. Je donne tout ce que j'ai. Hop. Est-ce que tu regagnes un peu de vie? Très peu. Très peu de vie. En fait, tu regagnes de la vie proportionnellement, on va dire. Et il n'est pas mort. Malgré le caractère super efficace de l'attaque fée. Fatal foutre. Et il m'a paralysé. Ah, rien du tout. Non mais j'ai jamais attaqué avant, je suis paralysé. Fatal foutre, 100% de réussite hein. Zéro embrouille. Bon, on va devoir affronter un Gigamax à poil. Voilà pourquoi on envoie Fulgudog. C'est le Pokémon de la situation. Waf. Petite câlinerie. Comment est-ce que du jeu, moi je kiffe. Allez voilà, énerve-toi. Énerve-toi.
Duralugon, on le sait, le Pokémon Dubaï, qui est acier. Je vais le mâchouiller. Bon, écoute, même si tu me balayes un Pokémon, c'est pas si grave que ça. Oh là, la musique, elle est stylée. Il prend un selfie à chaque fois qu'il lance sa balle Gigamax. Bonjour, Algon. Bon, j'envoie ma chouille, hein. Je vais pas dire qu'il rigole, mais quand même, hein. Technique imparable, usure Gmax. L'ennemi utilise usure Gmax. Ça a l'air vraiment imparable, hein. Ma chouille. Petite ma chouille. Qu'en vie. On a raté, mec. Moi, je m'assouille, hein, y a pas de problème, hein. Oh là là, il manquait pas grand chose, hein. Ah, tchot. Ça en passait à rien. Allez, on va finir avec le plus beau. El Grande. Tout ton pote. Flingue. Il illumine les stades de la Ligue Pokémon. El Grande. Bam. Allez, salut. Je remporte 17 000, merci pour l'argent. Je remporte la victoire haut la main, mais à mon avis c'est pas terminé. Qu'est-ce que l'on va faire? Et voilà, je suis le grand finaliste. Du coup, Tarak est probablement la cible. Alors, Tarak, c'est un spécialiste de quoi, déjà? Je sais un peu tout. Mais son Pokémon principal est Dracaufeu. T'encourages qui, ton frère ou ton pote? Hein? Les bros ou les bros? Choisis, mec, hein. Mais choisis bien. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième essai. Un frère, c'est pour toute la vie. Un ami, ça peut partir. Je dis ça, je dis rien. Fais ton choix. Léza. Je pense exactement la même chose que lui. Choisis très bien. Est-ce qu'il est bien Galamé? Très bon Pokémon de chasse, Galamé. Bon. C'est l'heure de briller. À mon avis, c'est impossible qu'avec Gorythmique, je puisse tuer son Dracaufeu. C'est peut-être le match final. Celui qui me fera devenir champion de la Ligue Pokémon. Le marathon touche peut-être à sa fin. T'as tout éteint, chérie? Tu joues encore? T'as fini le jeu? Tu sais pas? T'es pas au courant, hein? T'es pas au courant, on est d'accord, hein? Ma femme n'est pas au courant. Moi non plus, je sais pas ce qui va se passer. On m'a dit que je ne finirai jamais le jeu dans les temps. Il est 23h. Et nous allons très probablement finir le jeu. Attendez.
Qu'est-ce que c'est? Bien le bonjour à vous, mes très chers Tarakeken. C'est Touche pas à mon poste. Aujourd'hui, avec nos invités exceptionnels, nous leur demanderons s'ils sont capables de manger le caca de leur meilleur ami pour 1 million d'euros. Formidable. Ah, visiblement, il y a un trou gigamax un peu partout dans tous les stades. Si seulement tu m'avais écouté, Tarak, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est vrai. C'est de ta faute si je fais du mal aux gens. Les gens sont en danger, en fait. Venez au stand Kittenheim. J'arrive même pas à parler, j'ai tellement mal à la mâchoire, je ne peux pas articuler convenablement. Mais qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Cheroz? Aucune idée. J'ai vu le discours qu'il tenait hier. Il semblait obsédé par l'idée de résoudre cette crise qui se déclenchera dans 1000 ans. Je vais aller voir ça, histoire d'en avoir le carnet. Mais attends, mais la fin du jeu! On m'avait dit la fin du jeu. On m'avait menti. Mon frère. J'ai vu que tu arrives déjà pas à te battre en combat Pokémon. Je sais pas ce que je pourrais faire pour le soutenir. Bah, plein de choses. Ton soutien psychologique, ton aide en tant que frère. Puis même si t'arrives pas à me battre parce que je suis très fort, t'es quand même pas si mauvais que ça. Putain. Allez, je t'ai répondu des réponses au pif. En route pour la forêt de Sleepwood! Mais c'est à Pétaouchnock! C'est-à-dire que là, c'est la fin du monde. On prend le train pour rentrer chez nous, du coup. Tu dis au revoir à ta maman. Adieu à ta maman. Mais c'est pas possible. Salut Nabil et Ken. Je suis en face de la maison de ma maman que je n'ai pas vue depuis 150 ans. On paraît qu'elle a encore ses bottes moches. Elle a encore ses bottes moches! Je vous l'avais dit. Putain, maman, c'est dégueulasse. T'es pas changé depuis que je suis parti. Regarde, moi, j'ai abordé un look très urbain. Franchement. Tu me fais passer... franchement, pour... tu me fous la honte. Tu me fous la honte devant tout galard. Maman, putain. Merde. Même Sonia, elle a mis une veste de scientifique. Bordel. Eh, t'as vu, t'as raison, les darons, elles ont bien les couleurs de cheveux et d'yeux que tu prends de base. Ah. La nuit noire, c'est pas très bon. C'est le nom du vortex sombre qui a failli détruire la région de Galar dans les légendes. Dans la merde. Enfin, ça explique toujours pas ce qu'est venu faire ici Ken. J'étais en plein tournoi et je me suis dit... Non mais on est venu chercher le Pokémon bouclier. Je l'ai vu dans la forêt, je pense qu'il peut être là. Bah vraiment? On va vraiment combattre le Pokémon bouclier là? C'est pour de vrai ou pas? En vrai j'ai toujours pas terminé le jeu quoi. Il me reste 40 minutes bordel. Maman est très fière de toi, de voir son bébé faire de son mieux pour aider ses camarades. Maman elle regarde son enfant à la télévision. C'est pas le cas de Madaron. Allez, on est reparti. J'ai la version bouclier, moi. Déjà parce que Jamazenta est vachement plus si exhamation. Parce que je suis désolé, mais s'il suffit de tenir une épée dans la bouche pour avoir du charisme, n'importe qui pourra avoir le même charisme que cette truite de Zoro. Franchement. Allez, c'est parti, on y croit. Par contre, oui, les ratatas niveau 2, si vous pouviez ne pas me parler, merci. Impeccable. Et bien voilà, le mini-ange, il était dans le chemin. C'est la fuite. C'est le moment de faire du vélo, je pense. J'ai tout donné. Oh putain!
Mais pourquoi il y a des nouveaux Pokémon là? Wouhouhou. Ah wouhouhou. Wouhouhou. T'en étais bien et d'un coup des nouveaux Pokémon quoi. On m'appelle René Lafauche. Jamais vu la Master Ball de toute ma vie. Hop là. Allez, on rentre, hein. Entre Muna. On rentre. Gagné. Muna, get to the Z. On est d'accord que le Smogogo de Galar, je l'ai et je l'ai mené très haut. Le Filinferno de Alola, je l'ai aussi. Eh oui, mon minou. Eh oui, je l'ai. Smogogo, on s'en fout. Oh putain, lui, je l'ai déjà. Tu m'expliques que tu fouilles là? Je sais rien, toi. Commence pas, hein. Ça sent la connerie. Tu renifles quoi, là? Y'a rien à renifler. Le nifleur. Y'a quoi par ici? Une Pokéball. Petite herbe mentale, très bien. Ici, y'a un Smogogo pourri. Là, y'a que dalle. Là, y'a Corvelus direct. Corvelus. Pour Corvelus. Marc attraper Corvelus, c'est bien aussi. Sabotage est efficace, espérons qu'on va pas le tuer. Et c'est... ça tient bon. Il te provoque. En sans coup critique, il est pas mort. Câble. Hop là! Ah bah d'accord! Monsieur. Petite grimace. Qu'est-ce qu'il y a, mon mignon? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon mignon? T'es réveillé, ça y est? T'as encore gros de faire? C'est dur de dormir toute la journée quand même, hein? Et il ne veut pas rentrer. Rentre, s'il te plaît. Faut rentrer, monsieur, maintenant. Demain, il y a école. Bec brille, parfait. On est bien. On est très très bien. Gagné. Eh bien voilà, Corvelus. Get to the Z. Je n'ai même pas sa demi-évolution là. Hop, très bien. Je t'ai attrapé, je suis content. Alors, où est-ce qu'on doit donner de la tête ici? Ah, il y a même de... Élixir de jouvence. Bon, je pense que c'est là la suite du Gemu. Ça, c'est un piège. Boule fumée, ok, non. On a Nabil qui est là-bas. Ok. Il fallait que je récupère Antis ici. Parfait. Nickel. Hop, je dois me casser. Il m'a popé dans les pieds. Il y en a partout, des bleuseilles. C'est vrai. Je fuis. Y'a rien ici, rien. Allez, c'est... Je comprends pas comment on s'est retrouvé là en évitant tous ces Pokémon sauvages extrêmement puissants le dernier coup. Mais c'était à cause de la brume, probablement. C'est quoi la strat pour les EV sans chaîne SOS? Waouh, y a deux Pokémon! Non! Wild! Et vous avez vu, les oreilles coupées sont différentes. Wild! C'est les Pokémon épée et bouclier. Salut les gars. Oh mais non, il se casse, putain. Faites pas les cons. Ben
Bah oui, ils ont vécu, ils se sont battus. J'ai rien eu, moi, juste vous deux plantés au milieu de la route. Mais elle a pas vu. Est-ce que c'était encore une illusion? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est une illusion, c'est que... il va falloir se grouiller. Car si je ne me grouille pas... oh putain. La Master Sword. On a piqué la Master Sword. Alors ça c'est uniquement si t'as une sauvegarde terminée de Breath of the Wild. Hein. Normalement il y a la Master Sword de planter ici. Elle est cassée. Un bout de bouclier. Le bouclier d'Hyrule. T'échange l'épée légendaire contre un goma. Ça. Ça, ça s'appelle une sauvegarde. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en cas d'apparition d'un légendaire, sachez qu'on peut passer toutes les cinématiques du jeu. Il y a une option pour ça. Vous recevez bouclier rouillé. Je prends l'épée. Bâtard. T'as pris l'épée toi ma chérie. C'est normal. Les Pokémon épée et bouclier sont peut-être encore endormis quelque part. Alors, allons voir Frangin. Il est où Frangin? Je fais du vélo, c'est tellement charismatique. Attends mais... je vais où là? Allô? Nabil? Tu me suis pas? Pourquoi tu me suis pas? Tarak est en train d'affronter la nuit noire à Kickenheim. Voilà! Bien sûr, on chope un petit taxi volant. Je me disais bien aussi, c'était chelou son truc là. Putain, mais c'est loin d'être terminé de cette histoire là. Putain, mais le monde a sombré hein. C'est chaud hein. Le monde a vraiment sombré hein. J'en profitais pendant que le monde sombre. Pour faire un petit truc que je voulais faire depuis tout à l'heure. Je vais prendre mon linéon pourri. Je vais le mettre là. Je vais lui faire prendre un niveau. Il va évoluer. Parfait. Tatou, 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 tatou. Ixon est là, mon gars. J'ai Ixon. Ensuite, on va faire quelque chose de très important. Je vais prendre blocage. C'est son attaque, hein, blocage, disons, à Ixon. Il en est très, très fier. Je vais lui apprendre. Voilà. J'apprends blocage. Ensuite, je vais faire quelque chose de très important. Je vais réactiver les animations. Hop! Pour éviter d'avoir des animations de merde si jamais il y a un boss. Puis ensuite, je vais faire carte. Et je vais me casser. Non! Pas là. Je suis obligé d'aller route 9, je peux pas aller là. De la merde. C'est vraiment de la merde. Ah, de rien le chat. Je pense à vous, vous savez. Oui, remarque, ça me met directement là.
Ensuite, prends un vélo. Je roule comme un taré dans les rues, mal famé. Je suis l'aventure. Non, je déconne. J'ai juste besoin d'un monsieur mime là, c'est plus fort que moi. J'ai envie d'un monsieur mime. Et du coup, je fonce chercher mon monsieur mime. Hop. J'échange le Ixion fraîchement évolué contre monsieur mime. Au revoir, Ixion. Bah oui, de l'amour, les gens. Évidemment. Eh ouais. C'est important. Pas oublier le monsieur mime de Kanto, hein. Monsieur mime. Ghetto d'Azé. Kanto mime. Évidemment, Kanto mime. Voilà, il est psyché. Son talent est incroyable. Bah oui, tout le monde l'aime, monsieur mime. Évidemment. Ensuite, on se casse. On retourne à Kikunam. Mais je ne peux pas appeler le taxi volant là-dedans. Ce qui est bien la merde. Je vais devoir sortir de là. Perdre un temps fou. Et me planter encore à vélo. Pour la 18ème fois. Poussez-vous. Enfin, déconnez, poussez-vous. Je pense que les speedrunners vont être fous avec ce vélo. Hop. Voilà, tac, 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 je me téléporte, je vais soigner mes pokéfions, non, pas carte, pas carte mon jeune ami, équipe, dans mon équipe, avec des numéros 10 dans ma team. Je mets le Fantirme. Fantirme qui m'a un peu cassé les pieds d'ailleurs. Fantirme. Fantirme qui va prendre des super bombes. Voilà, super bon Fantirme. Hop là, super bon Fantirme. Voilà, normalement il doit évoluer, il est level 50. Allez Fantirme, on évolue, hein. On y croit à mort. Papo, papo. Merci Golem pour le sub. Et voilà! Fantôme qui évolue en Disparaptile. Ghetto d'Azé. Notez qu'il garde un petit Fantôme quand même sur lui. Est-ce qu'il apprend enfin une attaque? Il prend soin du Fantôme sur sa tête. Quand ce dernier n'est plus là, il panique et tente de le remplacer par un autre Pokémon. Ah, ça peut être rigolo. Il apprend Dracochoc. Dracochoc spécial, physique. Un peu spécial hein, quand même. Hein. Tout pourri. Là, tout est pourri, visiblement, dans toutes ces attaques là. Que du tout pourri. Padapapam. Un petit Ada. Bon, et puis on continue sur notre lancée avec. Hop là! 8 putains de niveaux. Je ne veux pas prendre Bélier, non. Merci. Bon, il est toujours aussi pourri, hein. Cela dit, vous en faites pas. Incroyable, hein. Niveau 58 et le Pokémon est tout pourri. Harcèlement, verrouillage, assurance, châtiment, coup double, demi-tour. Demi-tour, c'est bien. Demi-tour, c'est très très bien. Demi-tour à la place... Vive attaque. Il apprend dans ce Draco. Il apprend Antise. Ah ouais, mais c'est de la merde Antise. Dans ce Draco. À la place de Morsure. Il faudrait une attaque dragon il faudrait une attaque dragon physique quand même un peu hein.
psychochoc. Pas prendre psychochoc, hein. Machination, bout de feu, abattage. Ah, j'ai psycho ici. Le derbe tour magique aveuglement plongé. Estocorne, éclair fou, rapace. Puissance, fauchage, vampire baiser. De la merde, de la merde, de la merde, de la merde. De la merde, 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 de la merde. De la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Bon, on se casse. Peu importe. J'y vais, mon ami. Mes amis m'attendent dans ce stade. Ça a l'air d'être le stress, hein. Je suis stressé. Putain, encore elle. Encore elle. Pourquoi t'es stressé? Toi, le challenger, viens m'aider sur le champ. Enfin, je veux dire, aide-moi, s'il te plaît. Les Pokémon sont soudainement dynamaxés dans le stade, impossible de les arrêter. Oh putain, t'es chiante, Liv, bordel. La salle souterraine du réacteur se retrouverait ensevelie et Monsieur Chérose avec. Putain, mais j'ai battu la ligue, bordel! Ça, c'est jamais fini le jeu. C'est une bonne surprise, ça dit. Salut. Salle du réacteur. Oh putain. Y'a un truc là. Bonjour Nabil. Putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu? On va monter la musique, les gens. Que viens-tu faire ici, jeune challenger? Je suis là pour te péter la gueule. La nuit noire, ou plutôt Eternatos. Oui, tu peux parler grec aussi. Le plus terrible des Pokémon est maintenant éveillé. Eternatos. Ah, il y a un Pokémon genre en mode comme ça? Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses. C'est probablement difficile à comprendre pour quelqu'un de ton âge, mais ce que je fais n'est rien. En un, je voulais juste réveiller Groudon. J'œuvre pour la prospérité éternelle de ma chère région Galar en exploitant une source infinie d'énergie. Rien de plus, rien de moins. J'ai assemblé les étoiles vœux sans relâche pour atteindre ce but. Tu te souviens de l'incident de la lueur rouge de Kikenheim? C'était moi. Je tentais déjà d'éveiller la nuit noire. Je ne saurais pas mettre l'avenir de Galar en péril hors de ma vue. Alors, visiblement, il veut maîtriser un Pokémon pour aider le monde. Oh putain. Oh putain, musique. Musique! Wouah! Il y a Escargoum dans le jeu! Je ne savais même pas. Lance-cargo! Lance-cargo assez insecte, hein. Très, très, très faible au feu. J'ai pas soigné mes Pokémon. Aucun dirait connard, mais. Bim, il est trop bon, Fenard. Dans Slam. On peut voir ça comme ça aussi. Vous mourrez maintenant, monsieur. Merci. Ok. Pourquoi tant de violence, voyons? N'empêche, lance-cargo, je te respecte, hein. Ah, oh, c'est Final Fantasy, quoi, la musique. Clic, clic. C'est vrai que t'es un mec du des Pokémon acier, toi. J'avoue. Bon, ça fait un peu mon affaire, je dois bien t'avouer. Fla! La mort! Très bien. Noisier. Continue, hein. Surtout, change rien, hein. Paf. Salabada! On est bien. Encore un Pokémon de type acier.
C'est vraiment l'expert assis, hein. C'est l'industrie, hein, lui. Pac, Berzekat, c'est le dessert. Tout va bien. On fait lance-flamme. J'ai bien peur qu'il s'agisse de mon dernier Pokémon. Miséricorde. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça, la putain. Je vais lui pyromax sa gueule. Il est pas genre roche acier, un truc comme ça, lui. Genre une résistance feu. Miséricorde. Cyril Hanouna n'est pas aussi poli. Tu t'en potes. Putain, mais lui, quand il va dynamaxer, ça va être n'importe quoi. Vas-y, Cyril, balance tout. Hey, tu veux être comme Jaja? Bah tu l'as dans le babar. Dans le babar. Ok, le Pokémon cubique, hein. Et je vois même pas le Pokémon sous sa tête. Pyromax. Eh bien si, il prend quand même x2. Je suis bien. Putain, il... Monsieur, hein. Ouf. Putain, il a augmenté sa défense, mais en plus. Par contre, je pense que le terrain est à moi. Ouais. Yes. Putain, mais pourquoi il joue pas Exagide? T'es de type acier. T'es le mec de type acier, tu joues Exagide. Dans épée bouclier, t'es le méchant d'épée bouclier. Tu joues Exagide. Y'a pas un autre Pokémon à jouer. Quelle erreur. Bravo. J'avais oublié à quel point les combats Pokémon pouvaient être exaltants. Mais il est pas méchant en vrai, hein. Juste, il est... égoïstement... très altruiste. Je comprends pourquoi tu as été recommandé par le fameux maître invaincu. Je regrette d'avoir dû couper court au match ultime. Tu t'es donné tellement de mal pour les défis des arènes. Et voilà que je gâche ton honneur de gloire. Je comprends. J'ai pas d'autre choix afin d'éviter les graves crises énergétiques. Il était indispensable de réveiller Eternatus. Très bien. Très bien. On va réveiller Groudon. Hein. T'es arrivé tel un pro-chevalier venu pour protéger le terrible dragon. Pardon, je parle trop. Celui qui a été un de mes vilains défauts. Je vais faire court. Je pense que le maître devrait avoir capturé Eternatus alors qu'il est. Si tu souhaites en avoir le cœur net, je t'invite à prendre l'ascenseur et à le rejoindre. Putain, il est face à Eternatus. Je pense qu'il s'est fait, casser la gueule. À mon avis, il s'est fait casser la gueule. Putain. Putain, il soigne même pas mon équipe, vous êtes sérieux? Sans déconner, soignez mon équipe. Soigne même pas mon équipe, quoi. Allez, c'est parti. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais peu. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un squelette de Giratina. Ou un squelette. Dracofeu, le reste de mon équipe ont réussi à bien l'affaiblir. Maintenant, il ne reste plus qu'à le capturer. Le problème sera réglé. Matez un peu, mon cher lancé maître. Vas-y. Wouah ! Dans une Pokéball simple, hein, rien à battre.
Oh, le suspense est insoutenable. Oh, il a détruit la Pokéball, hein. Il a détruit la Pokéball. Franchement, même un rond gourmand sur la route 2, il arrive à détruire la Pokéball. Ok, j'y vais, hein. J'y crois. Bonjour, c'est moi. Pression d'Eternatus. Est-ce que c'est un vrai Pokémon, du coup? Genre en mode, il peut s'attraper. Il peut s'attraper. Ok. Bon, j'ai 10 niveaux de plus que lui, sabotage va pas le tuer. Il est rapide. Il est rapide. Salut. Bon, il est dragon déjà. Ah, bien joué, chéri. Bon, si les dragons... Canon Dynamax, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est rapide de ouf, le Pokémon, là. Peur de le tuer avec éclat magique. Ça va. Poison croix. Elle doit être de type poison. Il doit être dragon poison. Dragon poison. Un type de merde, ça, un peu. Hein. Ah, putain. Moitié de barre à chaque fois. Du coup, il prend pas le poison. Il va rentrer là, c'est cramé. Vous ne pouvez pas lancer de d'hyperbole. Oh. Moi, je le tue. Je le tue. Oh putain. Waouh. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Il explose. Oula. Ça sent la fin un peu, hein. Putain, et c'est là où tu regrettes. Ok. Bankai. Très bien, on fait quoi? Oh putain. Eternatus.
J'avais des points de vie avec ce Pokémon. Il est énorme, mais à nous deux, on peut le vaincre. Non. Non, Tilly, non. Ouais. En fait, je peux rien lui faire au Pokémon, je crois. Mais c'est mon pipe. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas lancer de capacité. Très bien. Ah, j'ai oublié. On a trouvé une épée et un bouclier. Dans la forêt de Sleepwood. Très bien. Bah, vas-y. Ken prend le bouclier. Il est abîmé. Ok. Je prends le bouclier. Vas-y, Nabil. Oh putain. Les sauveurs de Galar arrivent, nous sommes les deux héros des fresques, et nous sommes aidés par la puissance des protecteurs de Galar. Arthur et Lancelot. Ah, ils sont stylés les toutous. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça, s'il te plaît, donne-moi ça. C'est tout pourri, on va faire restauration. Allez, trop stylée la musique. Ah ouais! Oh putain! Zoludes! Toutoudes! Les toutous! Ils ont réussi à leur donner du charisme, hein, y a pas à chier. Hein. Les chiens, ça marche toujours bien en légendaire. Y'a des toutous avec nous! Égide inflexible de Zamazenta. Pression d'Eternatos. L'action est résolue. Bon, pipon. Zation utilise grondement. Mais je peux pas vraiment gronder parce que si j'ouvre la bouche, j'ai l'épée qui tombe. Très bien. L'attaque est boostée. Ce qui est une très bonne nouvelle. Zamazenta utilise mur-lumière. C'est la base, il y en a un qui augmente l'attaque, l'autre qui augmente la défense de tout le monde. Tu l'as dans le cul, Internatos. Tu l'as dans le cul, moi je te le dis. L'attaque baisse. Vampipoing, ça fait rien, putain, Vampipoing, qu'est-ce qui résiste? Le dragon résiste à tout, en fait, ça m'énerve. J'ai pas d'attaque pour attaquer cette merde. Faut de la glace. Ou du sol. Du feu? Mais non, il est poison. Ça marche, je vais contre le poison. Oh, c'est sol glace, moi. Je sais pas ce qui se remémore, mais il y a des phares dans le décor ou des trucs comme ça. Putain, l'attaque signature. Oh putain. Trop stylé. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'animation dans le jeu? Niquez-vous. Oh là là, il a les yeux. Il a les yeux fous. En fait, c'est... Ils vont faire le match. Pyromax. C'est de la merde, ça. Je suis sûr qu'ils doivent être acier en plus. C'est super efficace. Pokémon épée, il est nul. Mon Pokémon boulier résiste. Marteau bois. C'est de la merde. J'ai aucune attaque efficace contre lui.
Dynamoclès, c'est de la merde. On est bien, hein. On va saboter, hein. Ils sont rapides. Oula! Itoliu! Yakupondoho! Et moi aussi, je regarde. Je mets mon bouclier. Bouclier rushu! C'est bon, ils vont faire le taf. Et j'ai très mal. D'accord, le sabotage a échoué. C'est bien. On continue comme ça, hein. Tyronflex. Au calme. Dans le combat de fin. Hein. Alors attendez, hein, parce que. Moi, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai envoyé Smogogo. Sol glace. Mais chien, ouais, je manque de ces attaques là. C'est dur de couvrir tout le spectre, hein, quand même. On s'en fout de toute façon. Ils font le taf là. Épée, bouclier. Aegis. Maxima. C'est stylé un bouclier, hein, bien joué. Sword and Shield. Pyromax. On tente que ça tranquille. Prenons 3 quarts de barre. Wouah! Putain, Nabil, il a fait une attaque super efficace. Une fois dans sa vie. Je tente une attaque fée, hein. Moi, je suis un dingue. Petit grondement. Plus que 6 minutes avant minuit, on est dans la merde. Allez, j'y crois à mort. Qui mâchouille. Il annule tous les statuts, c'est bien. Pyromax, tu me tapes pas, s'il te plaît. Connard! Smogogo! Putain, c'est Nabil qui va le tuer! Non! Je veux exister! Tue ton pote! Merci, tue ton pote, d'exister! Tue ton pote! Attaque lance-flamme! Sur Nabil! Je fais l'attaque lance-flamme sur Nabil, j'en ai plus rien à foutre! Il me fait chier à essayer de briller dans mon combat de fin! Laissez-moi attaquer les légendaires! Chut! Chut! Voilà, mur lumière! Je veux l'uniquer sa race! Oh là là, il résiste tellement bien, Zamanenta. Voilà, tue ton pote, lance-flamme. Ça y est, je l'ai tué. Ça lui a pas fait mal, mais je m'en fous. Chez. C'est le complexe qui a carré toute la game. J'ai pas une attaque qui tapait efficace sur lui. Pas une. On peut la voir. C'est parfait. Vas-y, let's go. Attends, mais c'est pété comme Pokémon, ça. Hyper ball! Final capture! Oh. Merde, Niki. Faut pas les cons! En fait, il n'y a pas besoin de Master Ball parce que quoi qu'il arrive, le Pokémon y rentre, quoi. Eh bien voilà, ça c'est beau. C'est beau quand même. Eh bien voilà. Excavarel, je sais pas quoi là, comment il s'appelle ? Excrément. Ghetto Lazé.
Bah voyez, ça c'est un beau message. Un beau message envoyé quand même aux gens, c'est que tu peux avoir été ridicule durant toute l'histoire, mais brille à la fin. Et ce que les gens vont retenir, c'est qu'à la fin, c'est toi qui as brillé. On va célébrer ta victoire, Nabil, dans tout Windsor. Vraiment, Nabil, t'es le meilleur. Et le jeu n'est pas terminé, mais bientôt. C'est promis, hein. Je suis trop stylé de ouf, c'est abusé comment je suis stylé. Eternatus. T'as bien dormi? C'était trop cool, hein. Et maintenant, ça serait bien de disputer le match ultime. Moi, j'aimerais bien affronter la team de Tarak un jour, hein. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on m'autorisera un jour à affronter la team de Tarak? Je pose la question comme ça. C'est parti pour le show. C'est parti, le stade est chaud. Pour la fête. Match final de la vie. Timinou. Londres à vélo. Meilleur. Londres à vélo. C'est parti. Destination finale. Le stade. Je sais pas qui je mets en 1. Non, gros rythmique, c'est bon. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Et c'est parti, tout ça, une petite. Et c'est parti pour le show. C'est parti, le stade est chaud. Et c'est parti, je fais une coupure VOD.